Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres qui seront développés dans les prochaines minutes. Au moins 14 000 personnes ont été accueillies à la frontière haïtiano-dominicaine en 3 jours. Plus d'un mois après la clôture du dépôt des pièces, les contestations continuent. La dépréciation de la gourde continue, elle aussi, cette semaine. Le taux moyen est à 51 gourdes pour 1 dollar. Le directeur de la Scotiabank, Maxime Descharles, a lancé la 6e journée caribéenne du test de dépistage du VIH-Sida. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti est paralysé avec la fermeture et le mauvais fonctionnement de certains services. Et puis dans l'actualité culturelle, inauguration vendredi dernier du Ciné-Théâtre Triomphe en grande pompe, Chris Brown et Lil Wayne ont enflammé le Champ de Mars ce vendredi. Mais d'abord, ce sujet qui défraie la chronique. Plus de 14 000 migrants sont arrivés aux différents points frontaliers en 3 jours, selon ce qu'a fait savoir le président Martelly. La perspective d'une expulsion les ayant entraînés à un retour plus ou moins volontaire. Cependant, les autorités dominicaines n'ont pas encore lancé officiellement les rapatriements, selon l'ambassadeur d'Haïti, accrédité en République dominicaine, Daniel Suplice. Le diplomate précise par ailleurs que 250 à 300 000 Haïtiens au moins se sont inscrits au programme de régularisation, le PNRE, ce qui en fait de potentielles victimes de rapatriement forcé. Mais malgré la menace de rapatriement et les violences subies par les citoyens en terre voisine, l'engouement ne faiblit pas. Les Haïtiens continuent de solliciter un visa pour se rendre en République dominicaine. Interrogés par nos reporters, si certains demandeurs de visa disent ne rien craindre, d'autres, en revanche, affirment ne pas avoir le choix. Et c'est dans ce contexte-là que nous invitons Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre à nous rejoindre sur le plateau. Merci, Monsieur Argan, d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour, Daphné. Merci de me recevoir à Metro News. Mm-hmm. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi, Daphné. Alors, le sujet est sensible, il est aussi brûlant. D'abord, on parle du collectif du 4 décembre. C'est un collectif qui défend les droits des Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Pas simplement en République dominicaine, les droits des Haïtiens en général. Et nous avons pris naissance le 4 décembre et notre première sortie officielle a été le 17 décembre. Et au fait, cette sortie a été précipitée par ce fameux arrêt de la République dominicaine, l'arrêt du 23 septembre 2013, l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine, qui menaçait d'apatridie des centaines de milliers d'individus. Maintenant, je voudrais quand même faire une genèse de cette histoire-là rapidement, pour que les gens, sans aller dans trop de détails, mais qu'on puisse au moins cerner le problème. Il arrive que le 23 septembre 2013, la Cour constitutionnelle dominicaine fait sortir un arrêt, le TC-168-13, et qui menace l'apatridie des centaines de milliers de citoyens. Pour expliquer ce que c'est qu'il y a des gens qui sont nés en République dominicaine, qui ont vécu en République dominicaine, qui ne savent absolument rien, qui vont à l'école en République dominicaine, qui sont allés à l'université, qui ont travaillé, et subitement la République dominicaine leur dit « Vous n'êtes pas dominicain ». Le motif, la seule raison, la seule cause est qu'ils sont nés noirs et ils ont des parents d'origine haïtienne. Bon, donc quand ce sujet est arrivé, ça fait un tollé général. Et le collectif du 4 décembre est sorti et à ce moment-là, automatiquement lancé un cri d'alarme aux autorités haïtiennes et aussi pour dire allons au boycott des produits dominicains parce qu'il fallait leur donner une réponse à la hauteur de cette insulte. C'était donc en septembre 2013. Le collectif a vu le jour le 4 décembre. Et est sorti, donc a fait sa première sortie le 17 décembre 2013. C'est exact. Maintenant, on a vu tout à l'heure dans ce reportage tous ces Haïtiens qui font la queue devant l'ambassade ou le consulat de la République dominicaine, plutôt le consulat. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui se passe? On n'est pas encore arrivé à une rupture diplomatique avec la République dominicaine. Il y a des gens qui doivent aller en République dominicaine pour mille et une raisons.
Et quand on voit peut-être une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, ce n'est rien devant, devant ce qui aurait pu être. Maintenant, je ne vais pas condamner ceux qui vont parce que je n'ai pas la raison profonde de leur vouloir de solliciter ce visa. J'ai rencontré pas plus tard qu'hier, une dame me dit « Ah, j'habite, c'est un drame pour moi, je suis obligé d'aller en République dominicaine, je vais en République dominicaine demain. » Je dis « Vas-y, mais c'est une obligation, mais ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur. Mm-hmm. » Maintenant, on doit aller au-delà de tout ça. Ce qui arrive, c'est que on nous rapatrie. La République dominicaine a décidé dernièrement de renvoyer tout un consortium d'individus, ben des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Et sous le prétexte que le programme de régularisation des étrangers, le PNRE, était arrivé à terme. Or, ce programme, au fond, ainsi que la loi, l'application de la loi 1974, la loi, parce qu'il y a eu l'arrêt 1973, est corroboré par une loi dite Medina, la loi 69-14. C'est 14. Oui. Et ceci, cette loi ne fait que corroborer, effectivement, l'affaire du 68-13. C'est une application. Ce qui est dramatique de tout ça, c'est que nous en sommes arrivés là aujourd'hui où on agit vraiment comme des pompiers. Parce que maintenant, la menace est flagrante. Le 17 juin, qui est la date à laquelle prend fin... A pris fin le moratoire. Même pas le moratoire, mais... Le jour de l'arrêt, ça devait s'arrêter bien à un moment donné. C'était le 17 juin. On attend ce moment-là pour mettre... C'est le brin-bas de combat. Or, ce qui arrive, c'est que depuis décembre 2013, nous avions, nous autres, alerté le gouvernement haïtien et pour leur dire qu'il y avait des mesures à prendre. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Tout le monde dormait sur ses oreilles. Non, maintenant, quand on a eu vraiment presque gain de cause dans la lutte contre le 1973, parce qu'au fond, maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour comment recevoir les gens, où recevoir les gens et comment accommoder tout ça, on va voir, on a fait des suggestions à ce sujet. Comment accommoder tout ce beau monde-là, ça, c'est une résultante. Et le problème, au fond, nous passons à côté encore. Aujourd'hui, nous passons encore à côté. Qu'est-ce que j'allais dire ? Quel est votre Parce que le vrai problème est dans l'arrêt 68-13. Et c'est comme si il y avait quelqu'un a une infection, vous avez la fièvre, vous passez de l'eau, etc., pour baisser la chaleur sur la peau, mais vous n'attaquez pas le mal. Et c'est exactement ça. Nous passons à côté et nous voulons mettre de côté vraiment le mal, le vrai mal, le fond, qui est l'arrêt 68-13. Et c'est pour ça que, quand c'est arrivé, il y a eu ce tollé international. Nous avons participé à une saisine par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il y a eu finalement le verdict en août 2014 de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui condamnait la République dominicaine. Maintenant, un beau matin, ça arrive notre chef d'État qui s'en va au Venezuela. Je fais l'historique. S'en va au Venezuela, accompagné du Premier ministre. Et ils avaient un rendez-vous avec... ils avaient rencontré, je crois, Navarro, la République dominicaine. Medina, la République dominicaine. Et là, subitement, notre président revient et on le retrouve à Punta Cana. À Punta Cana, avec le président de l'Union Méditerranée, qui est notre président de dire, bref, laissez tomber tout ça, les deux États vont essayer de résoudre ce problème à l'amiable. Alors là, ça a été vraiment sous la guillotine et le couperet qui tombait. Parce que automatiquement, cette pression qui était sur la République dominicaine est tout de suite partie. Et ça se comprend, puisque vous faites partie de l'Organisation des États américains. Ces organisations ont pris un verdict, ont analysé le problème, la Cour sort son verdict, et vous désolidarisez de ceux qui vous donnaient l'appui. Mais c'est ça le drame. Et ça, et l'essentiel pour nous, c'est arrivé
par la faute, parce que c'est une faute, bon, c'est une erreur, mais qui ne commet pas l'erreur de sa vie? Nous passons. Maintenant, il nous faut revenir. Il nous faut revenir à la case départ et remonter. Et ça a été notre suggestion. C'est notre suggestion. D'ailleurs, nous avons écrit une lettre que nous envoyons au Premier ministre Evans Paul, qui nous avait invité le 18 juin dernier. Et dans laquelle nous disons que la première, mais toute première chose à faire est de revenir avec ce dossier au niveau international. Cette affaire bilatérale ne marchera pas parce que se faire rouler aisément dans la farine. Nous n'avons pas une diplomatie suffisamment structurée et fine devant l'astuce dominicaine. On n'en est pas là. Donc, quand on a tout ce corpus avec ça, quand on a tout l'international, l'appui de la diaspora, les manifestations qui se font, bref, un appui aussi fort, vous ne pouvez pas rejeter tout le monde et aller complaisamment essayer de gérer cette histoire-là. Maintenant, et ce que nous disons, notre chef d'État qui a eu à diluer l'affaire, qui a eu à dire qu'il allait gérer à l'amiable avec son compadre Medina, il a pour devoir et obligation actuellement, mais obligation de revenir au même endroit pour dire qu'il aura essayé à l'amiable, et c'est évident que ça n'a pas marché. Et maintenant, on doit faire appel encore à l'appui international pour que l'on fasse comprendre à la République dominicaine que le temps de l'apartheid, que le temps du racisme, que la xénophobie, que cette violation des droits humains n'est plus acceptable. Quelle est votre lecture de ces trois derniers jours, hein, où on a vu sur nos différents points frontaliers une arrivée quand même, on peut le dire, hein, massif, parce qu'en trois jours, on avait plus de 14 000 personnes. Bon. Mais là, c'est pas, ce ne sont pas des expulsés. Non, c'est exact. On est d'accord. Et là, j'aurais même changé un peu, parce que les données ne sont pas totalement réelles. D'un côté, notre chef d'État dit 14 000. D'un autre côté, les organismes gouvernementaux haïtiens disent 12 000. Mais du côté de la République dominicaine, ils accusent 21 000. Bon, ça fait quand même... Oui, ça fait la moitié, pratiquement, enfin, une bonne grosse... Que ce soit une ou 20 000 personnes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est mis en place? Quand on sait que, pratiquement, à Belader, quoi, le gars avec lequel nous fonctionnons beaucoup, accuse à peu près 1600 personnes à Cognon-Grandbois. Oui, Grandbois. Et il y avait à peu près 7 000 là à traiter. Et au niveau de rapatriés, il y avait à peine une trentaine de personnes. Donc il y a un tas de gens qui reviennent vraiment de la République dominicaine, qui ne sont pas des rapatriés, mais qui sont des gens qui sont victimes de la psychose de peur. Oui, véhiculée là-bas. En République dominicaine. Parce qu'on a, eu certains, comme on appelle, pas commentaires, témoignages, d'individus qui disent... Qu'on les arrête en pleine rue, qu'on les mette dans un bus, qu'on les expédie. Ces gens qui étaient là-bas, qui avaient maison, qui avaient... Est-ce que ça se passe vraiment? Ah ben absolument, on a des témoignages. Oui, mais les gens peuvent dire un peu ce qu'ils veulent. Bon, et la personne revient et vous dit qu'elle laisse par exemple son enfant. Et voilà ce qu'ils avaient de la maison. Et il y a eu des visites de certains organismes qui sont allés sur les lieux pour voir. Et effectivement, et de leur quartier, c'est une chasse aux sorcières qui se fait mathématiquement. Oui. Donc finalement, le Dominicain a joué quel rôle? Il a joué le rôle de créer cette psychose pour qu'il ne soit peut-être pas obligé de faire ce scandaleux refoulement. Donc c'est avec joie qu'il laisse passer ces gens qui viennent, qui reviennent chez eux, normalement, et qui regagnent leur pénate, sans bruit, sans compte. Bon, maintenant, ça, c'est une vague. Maintenant, on n'en est pas encore au mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Bon, avant d'arriver là, il est vrai que pour revenir à l'accueil, rien n'est vraiment mis en place jusqu'à date. Jusqu'à date, il n'y a pas ce qu'on dit qui existe. Si vous allez sur la frontière, vous allez voir qu'il n'y a pas encore de structure d'accueil. Parce que ça demande un tas de choses.
assistance médicale. Ça demande quand même que l'on reçoive ces gens, qu'on voit d'où ils viennent pour les aider à aller. Il y a 4 bus qui ont débarqué des gens au bicentenaire, près du théâtre. Donc, des gens qui ne sont même pas fichés. Ils ne connaissent même pas Haïti, peut-être. Non, ce sont des gens, ce sont des gens qui sont revenus chez eux. Oui, ce sont des volontaires. Malgré tout. Mais non répertoriés. Et c'est encore dangereux de recevoir des gens comme ça. Il n'y a pas une liste de dressés de tous ceux qui viennent et, ou qui nous reviennent. Ça peut facilement, la République dominicaine peut facilement laisser passer n'importe qui, n'importe quoi, puisque nous, on n'a pas de absolument, contrôle. Absolument. Et qui sera victime? C'est vous, c'est moi et c'est vous autres qui regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est normal que nous en soyons à cet état? Je dis que non. Nous disons non et nous faisons tout ce qu'il y a lieu de faire pour que nous reprenions au moins notre dignité de nation. Nous avons dit, pour venir à août qui va venir là, en plus de ces gens, maintenant, il y aura vraiment les gens qui vont vous renvoyer. Et c'est là que joue le jeu d'apatridie. D'apatridie, ce sont les gens qui sont nés là-bas. Imaginez que la République dominicaine est remontée avec sa cour constitutionnelle, est remontée et l'arrêt 1973 à 1929. 1929, ça fait quand même plusieurs générations. Ça fait bien 3 générations. Oui. Il y a eu des enfants, les enfants ont eu des enfants. Les enfants de ces enfants. Il y en a qui ne parlent pas un mot créole, qui ont vécu là-bas, qui vivent là-bas et qui vous disent, je suis dominicain, mais qui n'ont rien d'haïtien. Ils n'ont plus de contact de ce pays depuis des générations quand même. Hein? Donc, à ce moment, vous leur dites qu'ils ne sont plus dominicains. Et vous nous les envoyez. C'est bien. Les Dominicains nous les envoient sous le prétexte qu'ils soient haïtiens. Ils sont haïtiens, pourquoi? Parce que, non pas par le jus soli, mais parce que ils ont, d'après notre loi et notre constitution, le fait qu'ils auraient un parent, un haïtien. Parent haïtien, ils sont d'office haïtien. OK, renvoyez-moi ces gens. Il me faut faire le tri. Mais prouvez-moi que le père ou la mère est haïtien avant de l'accepter. Vous ne pouvez pas l'accepter de bonnement comme ça. Ce n'est pas normal. Vous lui faites du tort. Vous lui faites du tort en le faisant. Vous faites du tort au pays en le faisant. Pourquoi vous lui faites du tort? Parce que, imaginez que la personne soit dominicaine et qu'elle arrive ici et qu'on lui donne tout ce qu'il faut pour consolider son pays qu'il aurait expulsé. Parce que ce serait une expulsion. Vous cautionnez l'expulsion. Vous cautionnez l'abus en le faisant comme ça. Vous ne lui rendez pas service. Et cette personne, elle va s'organiser pour retourner chez elle. Donc il faut qu'on soit très précautionné de notre façon de gérer cette histoire-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme tri? Qui nous dit que nous n'allons pas subir la Marielle ici? La Marielle, vous vous rappelez, c'était lors de l'affaire Cuba. Parce que Cuba a libéré ses prisons et les a envoyés aux États-Unis parce que les Américains disaient « vous ne pouvez pas garder les prisonniers », etc. Donc on va avoir la même chose. Et vous allez avoir des assassins, des voleurs, des criminels, etc. Un tas de gens. Et vous n'avez pas une police vraiment structurée. Vous n'avez pas vraiment un contrôle parfait de votre territoire. Ceci arrive à une époque où nous allons vers des élections. Donc à ce moment-là, on est encore beaucoup plus en danger. Et ces gens, maintenant, des milliers de gens, vous aurez des milliers de gens. On parle de 200 000 personnes, mon Dieu. Vous n'arrivez pas à nourrir ceux qui sont là. Maintenant, vous avez 200 000 personnes en plus à nourrir. Qui vous nourrit, mon Dieu? La République dominicaine. Mais c'est quand même insultant. Et c'est pour cela que nous, au collectif, nous disons, maintenant, il est temps. Il est absolument temps et important de boycotter, au niveau citoyen, de boycotter les produits dominicains. Parce que c'est ça. Nous sommes leur deuxième gros client de 3 milliards de dollars que vous leur donnez. Hein? Vous recevez tout d'eux. Mais avant, nous recevons d'autres pays. Avant hier, j'ai eu le contact avec le nouvel ambassadeur panaméen. Mais mon Dieu, le Panama est encore ouvert. Le fer que nous recevons en Chine, il y a celle de la Turquie. Il faut voir les alternatives. Ceci amène la deuxième proposition que nous avons faite au gouvernement. Et que
nous n'avons pas de structure d'accueil actuellement pour recevoir ce volume d'individus. Utiliser les structures douanières qui sont sur la ligne frontalière. On a 4 postes frontaliers, il y a les entrepôts, les gros entrepôts. Utilisez ces entrepôts-là pour pouvoir au moins recevoir les gens, faire votre tri, faire tout ce qui a lieu de faire, les catégoriser, etc. Maintenant, faire le tri. Vous utilisez cette structure douanière, automatiquement, vous ne pourrez plus faire ces échanges commerciaux, puisque dans cet environnement, il n'y a pas moyen. Donc, automatiquement, vous demandez aux importateurs de s'organiser pour... utiliser d'autres voies. Oui, et de dire que maintenant, les importations, notamment de la République dominicaine, devront désormais se faire, et tant que durera la crise, devraient se faire par voie aérienne ou maritime vers le port de Port-au-Prince. Donc, vous ne fermez pas le commerce, vous ne fermez pas... Faites-le. Ceci nous donne quoi? Premièrement, une meilleure gestion des postes frontaliers. Deuxièmement, une meilleure gestion au niveau fisc pour l'État haïtien, parce qu'il y aura un contrôle beaucoup plus sérieux au niveau des grandes douanes. Troisièmement, ce faisant, vous aurez créé ce qu'on appelle la parité concurrentielle. Et les gens qui font des produits du même acabit, à peu près de la même chose que ceux qui sont importés de la République dominicaine, pourront maintenant développer leurs propres produits parce que les prix seront pratiquement comparatifs. Donc vous gagnez quand même sur tous les fronts. Et ce qui est essentiel, c'est que là, je m'adresse pratiquement aux citoyens haïtiens. Parce que c'est un appel que nous lançons à chaque citoyen. Aujourd'hui, on a des Haïtiens, enfin, des gens d'origine haïtienne qui paient chèrement le fait d'être haïtien. Et ce pays qui les pourchasse est ce pays à qui nous donnons notre argent. Nous acheter fouette pour battre. Nous. Il faut dire non. Il faut dire non maintenant. Il faut dire non maintenant et profiter parce que pour nous encore, et ce que je dis, c'est une opportunité. C'est une porte d'opportunité pour les entreprises. Parce que autant de produits importés de la République dominicaine, autant d'opportunités que vous avez ici à créer. Et l'État a son rôle maintenant à jouer, a son rôle d'encadrement, à créer les colonies agricoles, à développer vraiment et à donner aux entreprises haïtiennes le dessus sur toute entreprise dominicaine. C'est quand même, mon Dieu, c'est quand même vexant. C'est comme si nous avions le don d'admirer nos bourreaux, de leur dire merci d'être nos bourreaux. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Et de tout ça, nous perdons toute notre dignité, nous perdons toute notre fierté. Qui peut dire être vraiment fier d'être haïtien maintenant? C'est difficile. Sinon, d'avoir vraiment profondément ancré en soi. Et ceci doit changer. Et ça doit changer lorsque chaque haïtien prendra conscience que il faut que lui-même mette la main à la pâte. Il faut que lui-même sache faire un sacrifice. C'est un changement. Il n'y a pas dans la vie de changement qui ne nécessite de sacrifice, Daphné. Absolument. Voilà. Ben, je pense que vous avez fait le tour de la question. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Bon, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en face d'une situation où tout le monde a joué son rôle. Le chef d'État a réussi à jouer, il aurait dû le jouer déjà. Le Premier ministre a fait un premier pas dans le bon sens d'ailleurs. Il a réuni le secteur privé, le secteur des droits de l'homme, etc. Il a fait un appel patriotique auquel nous avons répondu. Maintenant, la réponse est une. Faire marcher cette histoire-là, vraiment, que l'État prenne la disposition comme celle que nous avions soulignée, on va attendre. Mais le citoyen lui-même peut apporter sa coup de part. Et sa coup de part, on n'a pas une armée. On n'a pas une armée de 200 000 hommes ou 220 000 hommes à déployer sur le territoire. On ne peut pas se rabattre sur la ministère pour s'occuper de la défense de nos frontières, vraiment. Mais par contre,
En face de la République dominicaine, nous avons une armée de 10 millions de bouches au moins à nourrir. Utilisons cette armée-là. N'utilisons plus la peau du Dominicain. Faisons cet effort parce qu'il s'agit de reprendre notre dignité de peuple. Et ça, on peut le faire. Et chacun peut le faire. Ça ne va pas vous tuer de ne pas utiliser le produit dominicain, mais de donner la préférence à vos produits locaux. Donc, il faut ça. Il faut développer notre production nationale. Il faut donner tout le support possible aux producteurs locaux, à notre production nationale. Et c'est là qu'il faut aller chercher les produits nationaux. Vous allez au marché, vous allez au market, regardez la provenance des produits. S'ils viennent dans le produit dominicain, mettez de côté, renvoyez-leur leurs produits. Maintenant, ils vous envoient 220 000 bouches en espérant que vous allez encore acheter davantage d'eux parce qu'eux, ils gagnent encore sur ce front-là parce que d'abord, ils n'ont plus d'obligation envers ces gens. Maintenant, nous aurons l'obligation de les nourrir. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, il nous faut vraiment redresser la barre et aujourd'hui est le moment de commencer. Mais voilà, tout est dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est assez brûlant. Ça merci, Daphné. On prendra encore contact parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aura à faire au niveau de la société civile pour que vraiment notre pays gagne et retrouve sa fierté d'antan. Merci, Monsieur Jean-Robert Arnaud. Merci, Daphné. Merci d'avoir reçu. Ajoutons que le Premier ministre Evans Paul, qui s'est aussi exprimé cette semaine, a déclaré qu'il fallait se référer aux instances internationales car l'apatridie dépasse la compétence du gouvernement haïtien. Selon lui, le gouvernement dominicain utilise un double langage. De son côté, l'historien Michel Soukar est très inquiet concernant l'avenir des relations haïtiano-dominicaines. Il craint que les questions migratoires et commerciales n'enveniment davantage les problèmes qui existent déjà entre les deux pays. Il faut haïtien ramasser caractère, il faut mettre compétences sous table sur ça. Premièrement, il y a la question migratoire, où il s'agit d'un thème très large de négocier la condition des travailleurs haïtiens et dominicains, que ce soit en agriculture ou bien en question construction. Deuxièmement, la question du commerce. Et dans la question du commerce, il y a deux bagailles. Il y a une question contre le monde qui fait là, côté marchandises dominicaines, on va y aller. Il y a un passé légal, il y a un pile qui passe en contre le monde. Et qu'on l'autre aspect tout, pour qui ça va beaucoup pas qu'à vendre République dominicaine, pour qui ça prestige pas qu'à vendre République dominicaine, pour qui ça comme il faut pas qu'à vendre dominicaine. Et qu'on l'autre point encore, que mon père j'aime parler de lui, et qui parle pourtant pile conflit à l'avenir, c'est ça, il est les cours d'eau transfrontaliers. Et les cours d'eau qui sont eux-mêmes des frontières, tant qu'on arrive à Massacre, tant qu'on arrive à Pédernal, tant qu'on arrive à Libon dans le plateau central. Et l'Artibonite, qui dit même transfrontalier, qui prend sous ces pays dominicains qui viennent déverser en Haïti. Dominicains travaillent, on a moi même sous la Tibonite là. Il a fait barrage, il a fait ceci, il a fait cela. Lui, il ne pas besoin de l'eau encore, non, dans la Tibonite là. Qui a accordé un Dominicain haïtien sur la question de l'eau? Il est prévu qu'au 21e siècle, la question de l'eau, pas une question, pas générer plus de conflits, plus de guerres dans le monde, oui. Et nous supportons là, qui travaille nous faire Dominicain sur la question de l'eau tout. Donc, bon, quatre points là. C'est haïtien. Comme dans des gros paquets de candidats à la présidence, que vous commencez par les dossiers sur ça, c'est au sérieux. Dans le cas des relations haïtiano-dominicaines, un, la question migratoire, deux, la question du commerce légal, trois, la question de la contrebande, et quatre, la question des cours d'eau transfrontaliers. Là où on travaille pour 20 ans, 25 ans. Voilà ce qui nous amène à parler des élections, qui est un autre sujet d'actualité. Plus d'un mois après avoir fait le dépôt des candidatures à la présidence, les contestations continuent. L'ancien directeur juridique des affaires du OCEP, Anthony Chérubin, critique les dernières décisions prises par le Conseil électoral qui a écarté certains candidats à la présidence après la publication de la liste définitive. Selon lui, le Conseil est en train de donner le signal d'une institution qui se bat pour rester en vie. Je crois que le Conseil est en train de lâcher du lest. Il prend des mesures pour pouvoir rester en selle. Pourquoi c'est maintenant qu'on doit se rendre compte que tel candidat n'avait pas satisfait à tel prérequis? Pourquoi c'est maintenant qu'il faut écarter, suite à la pression de certains secteurs? Et si ce secteur n'avait pas exercé cette pression, qu'en serait-il advenu de ces gens qu'on a maintenant écartés?
serait passé comme une lettre à la poste. N'est-ce pas vrai? Cette analyse, OK, de technicien, est-ce que c'est seulement maintenant qu'on se rend compte? Et je me demande que si d'autres font la même pression, aussi violente des menaces, et s'il ne va pas y avoir d'autres On va encore continuer à lâcher du lest. Ah oui. Donc, oui, ceci dit... Ah, c'est simple opinion de citoyen. Moi-même, je souhaite ardemment que les élections aient lieu. Parce que s'il n'y a pas la fête, c'est une catastrophe pour le pays. La plateforme Vérité continue d'invalider, elle, la décision prise par le CEP d'écarter Jacky Lumark de la course électorale. Les dirigeants annoncent vouloir passer à une autre phase pour forcer l'organisme électoral à revenir sur l'éviction de son candidat à la présidence. Et cette semaine encore, le collectif des candidats exclus des législatives a organisé un sit-in devant le CEP afin d'exiger leur réintégration dans la course, tout en exigeant aussi la démission des conseillers électoraux. En présence de dizaines de supporters en effervescence, des candidats au poste législatif sous la bannière de la plateforme Vérité se sont fait porte-parole de Jacky Lumark, absent à cette deuxième conférence de presse de la semaine. En effet, tous ont pris la défense du candidat à la présidence, de leur structure politique, arguant que le recteur de l'université Quisqueya n'a jamais été comptable de deniers publics. Et si Jacky Lumark avait écrit à la Cour des comptes pour demander audit de sa gestion en tant que membre d'un comité, ce n'était que par souci d'équité, a laissé entendre Wilner Joseph, candidat à la députation pour la 3e circonscription de Port-au-Prince. La Cour supérieure des comptes, qui démission pour bailler des charges à tout le monde qui était comptable ou ordonnateur public, et bien président institution, ça a dit clair et net que le professeur Jacky Lumark n'a pas rien vouloir des charges. Maintenant, je prends des Opon, Néhémie, M. Mariga, Marie-Carmel Bonostin, qui s'attendent toujours, puisque après notre coup de supérieur des comptes, ils ont eu tant de raisons, ils ont fait preuve que c'est des gens qui sont sages pour tourner sur décision ça. Purement et simplement, la décision du CEP d'écarter Jacky Lumark de la course électorale est politiquement motivée, a affirmé pour sa part le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, Didier Fizemé. À décision politique, réponse politique. C'est en ce sens que la plateforme Vérité annonce pour ce lundi 29 juin une manifestation de rue pour amener le conseil électoral à se raviser. Vérité a bral montré que nous-mêmes nous pas nous menti, nous pas nous voyons roche caché, mais nous-mêmes nous mettons brut nous dehors lundi, tout militaire présent et a connaît que bon seul choix. Fait bac pour le faire, mettez Jacky Lumark dans le coussin si vous voulez gagner l'élection. Pour obtenir la réintégration de Jacky Lumark sur la liste des candidats à la présidence agréés, la plateforme Vérité entend aller jusqu'au bout. Et même si le CEP est formel et sans équivoque sur le fait qu'il n'y aura pas d'ajout, cette structure politique secoue assez forte pour provoquer le contraire. Il n'y a pas que la plateforme Vérité qui met la pression sur le conseil électoral de Pierre-Louis Aupon. Durant cette même journée du jeudi, le collectif des candidats exclus a organisé un sit-in devant les locaux du CEP à la rue Stéphane Archer, à Pétionville. Sous le regard passif de la police, le collectif a symboliquement chanté les funérailles du conseil électoral provisoire. Narcisse, candidate à la présidence sous la bannière du parti politique Fourmi Lavalas, dément les informations laissant croire qu'elle détient une double nationalité et dénonce aussi l'acte de certains détracteurs. Madame Narcisse affirme n'avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne. Nationalité haïtienne, haïtien natif. Le porte-parole du CEP, Fritz Bernardin, a annoncé, lui, la validation des maquettes de bulletins de vote pour les législatives. Plus de 6000 kits seront bientôt livrés. Une délégation est actuellement en visite de prospection à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour répondre à un appel d'offres lancé pour la fabrication des bulletins de vote. Le processus-là a avancé sérieusement, surtout au niveau des BCEC, avec contestation. Et BCN, l'attendre même lorsque des cas de contestation qui fait appel yo vini, à partir de là, BCN pourra l'entrer en fonction pour le capable au moins évaluer différents cas qui présentent à lui-même pour capable gagner une décision finale. La dépréciation de la gourde continue encore. Le taux moyen est de 51 gourdes pour 1 dollar.
Et pour un éclairage, Télémétropole a invité le président de l'association professionnelle de banque, Maxime Descharles. Selon lui, les fortes importations, la baisse de l'aide internationale ou encore la baisse des prix des produits pétroliers peuvent expliquer l'état de l'économie du pays. Lors de cette interview, le président de l'APB a appelé les citoyens haïtiens à faire preuve de civisme en cessant d'importer des produits dominicains. Et ce qui reste constant par contre par rapport à l'offre dans l'offre de dollars, c'est les envois des immigrants haïtiens, ce qu'on appelle les remittances. Eux, ils ont été en augmentation l'année dernière. On a atteint les 2 milliards pratiquement l'année dernière. Cependant, il faut se dire que malheureusement, en même temps que de ce côté, il y a eu une augmentation, nous n'avons pas arrêté d'importer, nous n'avons pas diminué nos importations, et il y a eu comme un wash-out, comme un phénomène de lavage, c'est-à-dire que l'économie haïtienne a agi comme un pass-through, c'est-à-dire que l'argent est rentré avec les envois des immigrés, mais il a été République dominicaine avec nos importations, parce que nous avons importé pour pratiquement près de 1,8 milliard de dollars. Eh bien, il y a lieu qu'en Haïti, nous prenions nos responsabilités. Nous devons comprendre que nous devons augmenter la production nationale, nous devons augmenter les exportations et changer aussi les habitudes de consommation. Il est paradoxal et il n'est pas normal, et là je parle en tant que citoyen haïtien, donc tout à fait privé, c'est incompréhensible que pendant que nos voisins sont en train de chasser nos compatriotes et que nous sommes en augmentation du côté importation, ça ne fait pas de sens d'un point de vue simplement civique. Ça ne fait pas de sens d'un point de vue économique et ça ne fait pas de sens d'un point de vue humain. Donc, il est temps que nous nous mettions au sérieux par rapport aux problèmes que nous confrontons pour encourager la production nationale, encourager la consommation locale et, ça veut dire, modifier ce modèle structurel négatif que nous avons, ces comportements négatifs que nous avons. Parallèlement, M. Charles, qui est aussi directeur général de la Scotiabank, a lancé cette semaine la 6e journée caribéenne du test du dépistage du VIH-Sida. Ce fut l'occasion pour des milliers de personnes de se faire dépister gratuitement dans 13 sites de la zone métropolitaine. Et pour rester dans le domaine de la santé, le syndicat de l'hôpital de l'Université d'État dénonce le mauvais fonctionnement de la morgue et la fermeture du laboratoire, ce qui a entraîné de graves conséquences sur la marche de l'hôpital. Pas une ambulance. C'est 3 bus pour nous gagner, pour transport employé. Il y a un seul bus. Nous avons des cas là, ici à l'hôpital, qui en panne depuis samedi, 13 juin, tout passé là. Il n'est pas réparé. Ça cause un pile problème. Il y a problème de toilette, problème de l'eau, panne courant depuis 17 juin dernier. Nous avons morgue la campagne. C'est le même qui a apporté plus d'argent, beaucoup d'argent dans l'hôpital. Nous avons radiologie. C'est le deuxième service qui a apporté de l'argent dans l'hôpital. Nous avons laboratoire campé. Nous avons cuisine centrale qui n'a pas travaillé. Mais ça, c'est un problème lié. Le ministre de la Santé publique, là, il n'est pas venu là. Pour bien aimer de situation, mais même s'il n'a pas voulu venir, mais il a voulu un assistant. En réaction, le directeur exécutif, le docteur Maurice Fils-Mainville, qui a dénoncé le boycottage des employés, les a invités à collaborer avec la direction pour un meilleur fonctionnement de ce grand centre hospitalier. Ce n'est pas un fait de monde ou de monde seulement. Non, nous avons ensemble de monde, une masse critique de monde qui voulait. Mais il faut que l'hôpital ça fonctionne à monde qui voulait. Le monde qui a travaillé là-dedans, il faut ouvrir. Il faut changer la mentalité, il faut ouvrir. Depuis nous là, Gombay a changé. Et même si on n'est pas là, Gombay a changé l'hôpital général. Ouais. Nous n'avons pas l'hôpital là, mais Gombay qui a changé l'hôpital, il n'est pas possible pour l'hôpital général. Première institution sanitaire, université pays a gagné. Dans la pyramide sanitaire, première institution, pour comme ça, il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Pour parler d'éducation, les examens du baccalauréat débutent comme prévu le lundi 29 juin à travers les 10 départements scolaires. Au total, 78 374 candidats sont attendus à ces épreuves officielles qui se déroulent du 29 juin au 3 juillet. L'innovation concerne le port de l'uniforme qui est obligatoire cette année. Le ministère insiste aussi sur l'interdiction formelle faite aux candidats d'introduire des téléphones cellulaires dans les centres d'examen. Une nouvelle unité a vu le jour au sein de la police nationale. Il s'agit de la brigade d'opération et d'intervention départementale, la BOID. 250 agents ont été formés aux tactiques d'intervention et seront déployés sur le territoire pour venir en appui à l'UDMO, qui est l'unité départementale de maintien d'ordre, et renforcer ainsi l'effectif de la PNH. C'est pour venir en appui à l'unité de maintien d'ordre départementale UDMO
que la BOID a été créée. Avec déjà 254 agents, la brigade d'opération d'intervention départementale sera déployée sur tous les territoires en vue de rendre le travail de la PNH plus efficace, surtout en matière d'intervention tactique. La BOID, présentée comme sœur siamoise de l'unité départementale de maintien d'ordre, est plutôt un alliage de SWAT et de l'UDMO en termes de formation, selon le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Vladimir Parizon. BOID sont partis dans SWAT, ils sont partis dans UDMO, ils sont partis dans le service d'investigation, ils sont partis dans le service qui est alloué auprès des commissariats pour renforcer la capacité de toute opération qui a fait dans le niveau de la police. Des unités, ce n'est pas ce qui manque à la PNH de nos jours. De la brigade motorisée à Politour, en passant par le CIMO, la EDUPOL ou encore la police communautaire, la liste est plutôt longue. Toutefois, la création de la BOID trouve sa justification en ce sens qu'elle pourra apporter des réponses plus rapides et plus efficaces dans les zones les plus reculées du pays quand les autres unités sont dépassées. On va arriver au Namen. Le temps qu'on y a là pour y appeler Port-au-Prince, pour Port-au-Prince faire déplacer SWAT, avant pour Port-au-Prince faire déplacer SWAT, il faut le CSPN, etc., pour envoyer mettre SWAT dans la manœuvre. Au genre d'activité, ça ne va pas prendre pile de temps. Et puis pour calculer de SWAT qui saute là, vous arrivez à en mettre qui tient ça. À un moment où Haïti fait face à une crise humanitaire qui risque d'avoir des répercussions sur la sécurité, principalement au niveau des frontières haïtiano-dominicaines, la BOID sera très efficace, affirme Vladimir Parizon, qui sollicite la collaboration des citoyens, car les agents de la BOID sont formés au maintien d'ordre et aux tactiques d'intervention. BOID n'est pas différent ni son entité à part de la police. C'est des éléments au sein de la police qui prend et qui des formations en plus, qui pouvaient assister la population dans les multiples préoccupations que vous avez déjà, surtout en ce qui a trait à la sécurité. La cérémonie s'est déroulée à l'Académie de police en présence du ministre de la Justice et de certains hauts gradés de la PNH. Dans l'actualité culturelle, après 27 ans de fermeture, le ciné-théâtre Triomphe est de nouveau opérationnel. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier. Un spectacle de grande envergure a marqué cette réouverture avec la participation d'une multitude d'artistes. Le président Martelly, accompagné de la première dame, ainsi que des hauts dignitaires du gouvernement et des invités, ont assisté à cette grande première. Un concert-événement inoubliable a eu lieu vendredi soir au Champ de Mars. Les rappeurs Lil Wayne et Chris Brown, spécialement venus des États-Unis, se sont produits gratuitement sur un podium érigé devant la statue du roi Christophe à l'avenue de la République. Plusieurs artistes haïtiens et étrangers étaient aussi de la partie. Métropole est toujours là où l'action se passe. My name is Lil Wayne. It's my first time in this motherfucker. Hey. Happy to be here. It's hot out here. I'm on a good cushion at the home. I got some damn bitches I can come. I don't know what I would do without y'all. I'm a boss.
Waouh, voilà un événement qui restera dans les mémoires. Metro News Magazine est arrivé à son terme. Merci de nous avoir accompagnés. Restez branchés sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation. On se donne rendez-vous le week-end prochain.